Et bonjour les amis, aujourd'hui j'ai geeké et c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui pour une vidéo. Cette vidéo va parler simplement d'une petite astuce pour monter en abonné sans tricher. Moi j'avais envoyé une lettre à la famille geek parce que en fait je voulais monter en abonné, mais vous savez, je suis pas abonné en fait. Vous voyez, c'était juste, j'en avais envoyé un, mais j'avais pas mis ma chaîne YouTube, donc là j'en ai envoyé un et j'ai mis ma chaîne YouTube. Je me recoiffe un peu. Et ça m'a fait réussir à monter de 3 abonnés. Bon, je sais, c'est pas beaucoup. Salut Jean-Louis. Je sais que c'est pas beaucoup. 3 abonnés, mais quand même, ça commence un peu à faire. Donc, je vous montre un peu tout. Alors, voilà. Alors, c'est ça qui m'a fait monter en 3 abonnés. Enfin, 3 abonnés, j'en avais que 13 et je suis monté à 6 quand j'ai envoyé la lettre. Quand même, ça fait bizarre de dire 13 abonnés. Je sais pas, j'ai plus l'habitude à dire 20, tu vois, 20, 30 abonnés, tu vois. Donc voilà. Donc on commence avec la petite carte Pokémon. Vu que Kaninos c'est mon Pokémon préféré, j'avais demandé Kaninos dédicacé. Voilà. Et il n'y a rien marqué. Et une lettre. Après, je peux vous la lire, hein, bien sûr. Mais une petite lettre. Donc, que je mets sur un petit... Donc, en fait, je cale tout là-dessus. Voilà. C'est un petit truc des États-Unis. En fait, il y a un clou à moitié enfoncé pour que ça tienne comme ça, quoi, le truc. Merde, j'ai loupé le truc. Bon voilà, j'ai remis le truc. Voilà, c'était une petite astuce bien sympathique pour un peu monter en abonné. Donc il y a ça. Voilà. Et la lettre, si en fait je vais vous la lire. Alors il y a marqué: salut Rudy, merci pour ton courrier et pour le booster Pokémon, ça nous a fait super plaisir. À plus en vidéo. Donc voilà, et ça m'a servi à me faire monter de 3 abonnés. Parce qu'avant, comme je vous ai dit, j'en avais 13. Oh, ça fait de l'air. Oui, parce que dans ma chambre, il fait chaud. Hein. Il fait chaud. Bon, très bien. Ah, j'ai retrouvé la coque de mon portable. Je l'avais perdu, je sais pas où il était. Bah, je vais le remettre. Donc voilà, alors, c'était juste pour vous dire ça. Voilà. Comment monter en abonné très facilement. Enfin, c'est pas très facilement, ça dépend. Si vous êtes connu, oui, si vous avez à peu près 1000 abonnés, vous allez monter. Si vous avez comme moi 13 abonnés, vous n'allez pas beaucoup monter. Enfin, moi, là, ça m'a réussi à me faire monter à 16. Voilà. Aussi, je vous remercie pour les 30 abonnés. Bon, je vous remercie pas, voilà. Une vidéo spéciale ça, mais ça fait un peu plaisir, quoi. Parce que je suis resté au moins 2 ou 3 mois sur les 20 et je me suis dit, ouais, j'en ai marre, j'en peux faire moins de vidéos, peut-être que ça soit un peu les gens. Et j'en ai fait moins et je suis monté à 30 abonnés. Bon, hop, là je vais remettre ça. Ouais, donc voilà, juste pour vous dire ça en fait, parce que je voulais juste vous donner une petite astuce. Comme par exemple à Jaja le Geeker, c'est mon pote. Mais... le problème, c'est que lui, il a 9 abonnés, mais il a fait qu'une vidéo. Voilà. Moi, je me suis dit, je m'étais donné un concours. Enfin, je m'étais donné un défi, montrer ma tête aux 80 abonnés. Sauf qu'en fait, j'ai préféré la montrer avant. Avant, je voulais pas trop la montrer, quoi. Juste, j'ai juste envie de faire le coup. Donc, je vais faire des petites tractions. Hein, donc, j'aime bien faire toujours. Voilà, j'avais envie d'en faire. Voilà, bon bah, les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Écoutez les amis, je vous dis ciao ciao, vous êtes Rudy Geek pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.